C'est trop de guêpier ça là-haut. C'est une mine de guêpier. On a bombé le mariage. Deux jours et demi qu'on est entré en Croatie dans la morne plaine Panonie, une ancienne mer, il y avait 1 million d'années, très très plat, du sable partout. Les routes sont correctes, mais alors c'est plat au possible, pas grand intérêt à part la Drava et le Danube qui sont intéressants à voir. On a déjà fait 230 bornes et puis il nous en reste encore 200 autres. Pour arriver dans les préalpes slovènes. Hier soir, on s'est fait inviter à dormir dans cette petite maison qui est derrière moi par des Croates très généreux, la main sur le cœur. L'histoire, c'est qu'on s'est posé, on cherchait un endroit pour se poser parce que ça fait 2 jours qu'il n'y a aucun camping, rien du tout, aucune infrastructure pour les touristes vélos à part des grands hôtels qu'on ne peut pas se payer. Ils nous ont suivi en vélo parce qu'ils nous ont vu discuter avec un gars qui en a demandé si ça le faisait pour dormir en dessous. Ils nous ont suivi en vélo, ils nous ont rattrapé 5 minutes plus tard et ils nous ont ramené chez eux. Donc là on a pu dormir chez eux, prendre une douche, hyper sympa. Ils habitent une maison à la campagne, donc ils ont quasiment tout ce qu'il faut. Ils ont leur cochon, ils font des salaisons avec, ils ont leur fumoir, ils ont leur petit jardin avec le petit potager qui va bien, les patates, un peu de maïs, quasiment autosuffisant en légumes et en viande. Ils n'achètent pas grand chose. Voilà, c'était assez inspirant de voir comment ils arrivent à survivre avec pas grand chose. Pourtant ils travaillent tous les deux, mais ils ont une vie de rêve ici, sans gagner forcément une fortune. Aujourd'hui on va repartir vers la Slovénie, on va repartir pour du plat pays. On va peut-être passer en Hongrie, faire un tour en Hongrie, on ne sait pas, c'est pas obligatoire, mais on va se décider selon l'humeur du petit déjeuner. Et puis d'ici 2 jours, on devrait être dans les montagnes slovènes, enfin! Parce qu'il y en a un qui était en train de se barrer.
Eh ben, une fois n'est pas coutume, on s'est fait un petit bivouac sympa au bord du lac de Chaudelice. Il y avait du monde hier soir et ce matin plus personne. Très sympathique, l'eau hyper claire, ça fait du bien un petit bain avec une eau à 30 degrés. Par contre, une fois qu'il n'est pas coutume non plus, petit souci mécanique, on a le dérailleur qui est pété en partie. Ça roule encore, mais c'est pas terrible. Et puis on a la roue qui queen depuis un jour et demi, deux jours là, ça queen. C'est pas trop, c'est pas métallique, ça fait un peu plus caoutchouc, donc c'est un peu inquiétant. On n'a pas envie de faire 400 bornes de plus comme ça jusqu'à Klagenfurt. Donc on va essayer de faire ça, de faire la réparation à Maribor en Slovénie d'ici deux jours. Plus proche, il n'y avait pas de créneau disponible. Et puis voilà, on croise les doigts pour que ça tienne pendant deux jours. Terre à l'horizon. Slovénia. On est de retour. Ça s'accroche dans le bus. Heureusement qu'on est en Slovénie, j'espère qu'ils ont retrouvé la bonne. Allez, ça y est, on peut enfin repartir avec un vélo à peu près d'aplomb. Ils ont réparé le dérailleur, enfin changé le dérailleur carrément. Le frein avant, il remarche avec une vis qui manquait. Par contre, le moteur, il fait toujours le bruit. Enfin, la roue arrière, on ne sait pas si c'est le moteur ou le pneu. J'ai pas tout démonté. J'ai dégonflé et regonflé un petit peu le pneu. J'ai l'impression que ça fait un peu moins de bruit, mais c'est toujours difficile de dire d'où ça vient. Donc, tant que ça marche, on va continuer. On reste comme ça, donc on sort doucement de Maribor, on se dirige vers la frontière autrichienne dans un environnement qui est quand même beaucoup plus civilisé que ce qu'on a pu avoir avant, beaucoup plus touristique, beaucoup de vélos, des belles pistes cyclables comme celle-là sur laquelle on est là. Et puis voilà, on a un rendez-vous dans 4 jours à Klagenfurt, donc on va y aller tranquillement en prenant notre temps et puis ça va bien se passer. Thank you.
quoi comme jour spécial aujourd'hui, Timothée? Mon anniversaire. C'est ton anniversaire? Oui. Ah ouais, hein. Et puis du coup, comme c'est un jour bien arrosé, enfin la nuit était un petit peu arrosée. Grosse. Qu'on s'est fait défoncer par l'orage. Une grosse crêpe. On fait des crêpes pour patienter. En attendant que la pluie s'arrête. Il en reste une. Ouais! Bravo! Bravo! Ouais. Yes! Ich bin rausgegangen. Warum? Weil die raus wollen. Bist du nicht müde? Eh bien ça y est, on s'en va après 3 jours passés à Chantanel chez Nat et Elisabeth qui tiennent une ferme avec une belle vision de la vie dans la ferme. C'était super, on a passé 2 jours à les côtoyer dans leur activité quotidienne, à se reposer, prendre du bon temps pour nous, pour tous les trois. Fêter l'anniversaire de Timothée qui faisait ses 3 ans aussi. Et puis ça marque un petit peu tout ça à la fin du voyage parce que la fin de notre congé parental pris justement pour voyager touche à sa fin avec les 3 ans de Timothée. Il nous faut rentrer au boulot dans pas très très longtemps. Donc on repart doucement sur Klagenfurt aujourd'hui. Et puis chacun de son côté voir les grands-parents avant de repartir au boulot d'ici une quinzaine de jours. Voilà. Rendez-vous en Autriche. Djurdjevac.